Aïe, 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 aïe. Bon, il est quelle heure? Il est 8h23. On est dans le Uber pour aller à Charles de Gaulle. Je vous montre pas encore ma valise. Parce que j'ai rien respecté. On va arriver approximativement à 9h23 pour un décollage à 11h20. J'avais dit que je serais là 2h avant. Je pense que c'est honnête. On croise les doigts qu'il n'y ait pas de bouchons. Bon, j'allais vous filmer les bouchons parce qu'il y en a eu, mais en fait, je me suis endormie comme une grosse merde. Et ça, c'est ma valise. Vous me jugez pas trop sûr. J'ai droit à une deuxième valise. Fatigué de la valise. C'est absolument nécessaire. Il faut être stylé au Japon. Non, ça suffit. Je vous montre vite fait. Dites-moi si j'abuse. Oh, des grosses valises. On va décoller, ça y est. Stop! Non, je déconne. J'ai une gueule, elle est... On n'a pas dormi, on est pas très bien. Nous faisons le voyage avec Eva Air, compagnie taïwanaise, que j'apprécie. J'ai déjà fait le voyage avec eux et c'est très bien. Et aller faire un tour à Taipei, parce que Taipei c'est vachement bien. Ça y est, je me tire. Pardon. Vas-y. Pour combien? T'envoies un message à un random là et tu lui dis coucou, tu peux t'abonner à ma chaîne. S'il te plaît. Pour 10, mais il y a reverse. Vas-y. 1, 2, 3, 7. En 5 là. 1, 2, 3, 1. J'allais dire 2, je vous ai dit, dis pas 2. Dis pas 2. Oh, j'aurais eu la honte de ma vie. En fait, il sait qui lui a envoyé un message. Il sait quel siège. Ah ouais. Bon, là, on est à Taïwan pour la. Comment on dit déjà? Comment on dit? L'escale. Ça s'appelle une escale. Oui, mais je viens de le dire. Ah, tu m'as demandé. Ça fait tellement Timo et Pumba. Bon, bref, on est à Taïwan. Là, on va faire le transfert pour aller à Tokyo. Et le vol s'est bien passé. La compagnie est bien, je vous la conseille. Et du coup, là, il faut qu'on fasse le transfert. Bon, j'évite de trop filmer tout ce qu'il y a à l'aéroport parce qu'apparemment, c'est 40 000 euros d'amende. Tu filmes des endroits interdits. Donc, un peu compliqué. On se retrouve dans l'avion et après à Tokyo. Par contre, il vient de se passer un truc. On est en train de chercher notre porte et on passe devant un petit stand. Elle est toute seule, là, et elle vend des Queen Amman. C'est le multiverse. Juste un truc, mes cheveux n'ont jamais été aussi plats et ma voix aussi cassée. La voix cassée? Pourquoi? Je sais pas. Tu parlais normalement, il y a des... J'ai la voix cassée, mes cheveux sont plats comme Sakura. Ça va, tu vas bien? Tout le temps malade. Ouais, moi je suis toujours en pleine forme. Hein. C'est juste elle qui est tout le temps malade. Moi ça va. Toi tu bouffes tout le temps de la merde. T'es tout le temps en pleine forme. Moi j'essaie de varier, de faire attention. C'est ça le secret. Non. C'est le secret. Que si je fais comme Watt, je finis juste en 1 mètre cube malade. Minecraft. Je suis en Minecraft malade. T'as hâte ou pas? Tu parles à moi là? Ouais. Ouais. À qui? C'est à vrai, qui? Aux téléspectateurs? Mais oui, je crois que tu parles à la cam, moi. Bah oui, dis-moi, attends. Caméra, est-ce que t'as hâte de filmer des belles choses? Bah là, en tout cas, le nez, là. Il a quoi, mon nez? T'as vu le tien? Ouais. Okay. Mais on le voit pas. Non, on le voit pas. Oh, c'est qui, t'es énervé, là? Il a mis un coup de pression, là? Oui. Il est perdu. Controlling. T'es un peu tendu, frérot. Un petit peu. Est-ce que t'as
que le mien. C'est en me filmant comme ça que je vois que la taille de mes lunettes sont énormes. Bon bref, on vient d'arriver à Narita, on a récupéré les JR Pass, et si vous voulez savoir où les récupérer quand vous sortez... Il y a plein d'endroits différents, c'est tout. Non mais il est tout... En vrai, il est à côté. En gros, quand vous sortez des trucs de frontière et que vous avez récupéré les bagages et tout le tralala, eh ben, c'est juste à gauche, vous avez un espèce de touriste information. Et c'est juste là. C'est juste là, et vous pouvez prendre votre JR Pass ici ou ici, et vous faut une petite carte. Et vous allez pouvoir prendre le Narita Express pour aller à Tokyo, et après pour prendre Shinkansen pour aller dans d'autres villes. Il est là. Commencing charge, stay away. Il a dit stay. Tu sais que quand il parle anglais, il est hyper, hyper énervé. Stay away. Est-ce qu'il peut redire encore une fois, s'il te plaît ? Dis-le encore une fois, s'il te plaît. Du coup, là, on va au quatrième parce qu'on doit prendre le Pocket Wi-Fi. Ce qui vous permettra d'avoir la Wi-Fi partout dans le Japon. Et je trouve ça mieux parce que c'est genre illimité. Et ça, ça c'est trop bien, ça. Il y a Jujutsu. À chaque fois que je vois ça, je vais là et je prends tout, je prends le max et ça me fait des porte-clés après quand je rentre en France. C'est 300, c'est ça ? Vas-y, comment je t'ai eu ? Je lui ai juste montré ça, ça y est, elle va acheter maintenant. 300 minimum, oublie. Non ! Allez, allez, on y va. Non ! On n'a pas le temps, on y va. Non ! Tout ça pour avoir Maito. Ou lui ? Non, lui, avec la tagine sur la tête là. Oh non ! Putain. Non, là c'est vraiment ça. Une tagine là. Une tagine. Ah, t'as assez ? Monsieur. Monsieur, ta pièce elle est trop vieille. C'était les pièces avant Covid, maintenant ça a changé. Ouais. Allez, abandonne, let's go. On n'est pas du tout chargé. Non, c'est 3000 bagages. 3 millions de bagages. Ah, vous pouvez leur laisser les... Oh, oh non. Laisser. Attends. Non. Et là, il faut que tu laisses le chariot. Non. De toute façon, tu vas tout porter. Hein. Tes bagages, c'est les plus lourds, c'est toi qui portes. Hein. Oui. On est Goshima. Regardez la boisson là. Est-ce qu'il y en a qui reconnaissent ? C'est qui ? Yoshiki. Seuls les vrais connaisseurs savent qui c'est Yoshiki qui a chanté l'opening. Ouais. 1, 2, 3, 4 de SNK. Ouais, je vais boire du Yoshiki. Ah oui, on a une anecdote. Quoi ? Monsieur a une carte bleue avec marqué dessus Boku no Pico. Ah ouais, donc merde. En France, ça passe. Ça va être sympa quand on va proposer la carte bleue en magasin. Mais c'était pour la blague. La banque, elle m'a proposé, je dis oui. Mais en France, ça passe. Mais au Japon... Théba, à quoi on va ressembler ? On va payer avec une carte beaucoup de picots, ça va être ça. Mais je vais éviter de le dire trop fort le mot, parce qu'ici, ils connaissent, je pense. Là, on est dans le Narita Express. On a raté celui d'avant. Parce que j'ai voulu aller chercher le Pocket Wi-Fi. Je le trouvais pas. On a finalement trouvé le Pocket Wi-Fi à 10 minutes du départ, donc le temps d'aller dans le bon endroit vu que c'est grand de ouf. Mais donc je vous propose de découvrir le Narita Express. On va descendre à Shinagawa pour après prendre le Shinkansen, donc le TGV japonais, pour aller à Shin-Osaka, donc la gare de Osaka. Enfin commencer ce voyage. Regardez bien la propreté du bordel. J'ai posé mon sac par terre dans le plus grand des calmes. Regardez comment c'est propre. Petit truc pour la boisson. Ça c'est la mienne. À moi. C'est bon, j'ai compris. Mais j'ai vu écrit Kirin dessus, j'ai cru que c'était de la bière au début. Au-dessus, c'est écrit. C'est la même marque et c'est pas de la bière. Je croyais que c'était de la bière. C'est encore mieux que la première classe SNCF. Prenez l'exemple SNCF. Oh voilà. Hein. Le Shinkansen est construit, enfin, et ça a été designé tout par les Français, mais que pour les Japonais. Pas pour nous. Oh, mais départ pile à l'heure, il est 15h14, nous partons. Le timing japonais, oh. Et en vrai, les sièges, t'as de la place de ouf. T'es mal à la place qu'il y a pour les jambes. Ah ouais. T'es mal. Incroyable. Non, je commence pas à faire le truc de erreur. Et je crois... Attends.
Nye. Oh. Attends, bah, il revient vite. C'est quoi, jamais se réveiller. Oh. C'est pas comme ça, ils vont croire que t'as le mot interdit. Ouais, voilà. Le mot. Transition avec la canette et le chanteur. Ce qui est ouf, c'est que vous avez un système pour pas qu'on vous vole votre valise. Alors, c'est incroyable, c'est un système de cadenas. Genre, au Japon, alors qu'en vrai, t'es tranquille là-bas, t'as un système de cadenas. C'est le monde à l'envers, mais vas-y. Putain, même les ponts à clochards, ils sont stylés. Regarde, même la boue, elle est stylée là. Wesh, les oiseaux, ils sont stylés, ouais. Regarde, même les oiseaux, ils sont polis ici. Et un temple, et regarde. Shinagawa, la station de Tokyo, et on va prendre le Shinkansen et il va arriver dans 3, 2, 1. Waouh, le plan incroyable. Waouh, c'est un film là. Ouais. Je suis extrêmement fier de ce que je viens de faire. Il y a de la place. Voilà, on vient d'arriver à Osaka, c'est à Shin-Osaka, la gare. C'est un peu loin en fait, c'est pas vraiment dans Osaka, hein. C'est pas genre dans le centre-ville. Du coup, on va prendre un taxi. On sait pas trop combien ça a coûté, mais j'espère que vous êtes prêts pour l'intérieur des taxis. Je connais les taxis avec leur petit intérieur en tissu et tout. C'est vieux et ça reste vieux, ça me termine. On va aller prendre un taxi et je crois qu'il faut faire la queue là-bas. Let's go, parce que j'ai la flemme, faut prendre le métro, faut faire un ou deux changements. Et avec ça là, c'est mort. J'espère que vous êtes prêts pour les portes automatiques. Les portes s'ouvrent toutes seules. Regardez, hop là. C'est incroyable. Waouh. Elle a pris du galbe. Elle a l'air sale. Elle était énervée sur le lait. Oh. Hey, fais très attention. J'ai rien dit. Je me suis retenu. C'est bien ce que je pensais. Je suis arrivée à l'hôtel. Et c'est le APA Hotel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des hôtels qui proposent des bains en plus. Donc tu peux aller te baigner dans les bains publics. Et c'est ouvert jusqu'à 1h du matin. Ça, c'est la chambre. Voilà. C'est petit, c'est serré, c'est cosy. J'ai même pas vu la salle de bain. C'est très fonctionnel, vous voyez. Toujours une petite baignoire pour réfléchir. C'est important. Voilà. Bon, j'ai une petite vue. Voilà, voilà. Petite vue sur la highway et sur Toyoko Inn. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, vu que la cigarette est acceptée assez souvent, eh ben, vous pouvez avoir des chambres fumeurs ou non fumeurs, mais vous pouvez être à côté d'une chambre fumeur. Et du coup, là, dans le couloir, ça pue la clope. Et même dans la chambre, ça sentait un peu. C'est pour ça que j'ai ouvert. Voilà. Après, les APA hôtels ne sont pas les plus chers, surtout celui-là. C'était pas ultra cher. Genre, je crois que c'était 80€ la nuit, un truc comme ça, avec le dans Osaka. Donc en vrai, ça va. Par contre, j'ai découvert un truc, je crois,
je crois, que ceci est un moustique mort, éclaté, comme il se doit. S'il vous plaît, empêchez-vous de fumer dans le lit, c'est pas bien. Uchiha, Itachi. Bon, sur ce les amis, on se retrouve demain pour la suite, c'est-à-dire Osaka et le début des vlogs journaliers ou semi-journaliers, vous avez compris. Bye bye les Nakama.